Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la Poule Guitare, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. Nous sommes prêts ici à vivre cette rencontre palpitante à vos côtés, et on le sent déjà à l'ambiance générale, c'est une très belle rencontre qui s'annonce. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu, c'est cette attente qui nous chatouille. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Rapidité, endurance, organisation. Ce 4-4-2 à plat, c'est un classique, mais c'est indémodable dans le football. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de l'art. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Oui, bien fait ça. La transversale remet le ballon en jeu. Oh, la frappe au but. Ouais, le plongeon et la bonne parade pour mettre fin à l'action. Le corner. Un ballon directement sur le gardien. Mal exploité ce corner. Vers Ayou. Un face-à-face à négocier. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne opportunité. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Le ballon change de camp. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Ah, c'est dangereux, mais c'est bien anticipé.
Le ballon progresse bien sur cette offensive. Intervention du gardien. Cornea. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Et voilà, un ballon récupéré. Oh, ça peut aller au but. Oh, la tentative. Quelle grosse frappe, mais ça passe de justesse au-dessus. Ah non, c'est rendu directement. Allez, il faut lever la tête maintenant. Ah, il est loin. Ah, c'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Et il prend sa chance. Oh, l'arrêt, mais c'était pas fini, attention. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. On le voit au deuxième poteau, le ballon est relâché. Forcément, le but est facile à mettre. Mais encore une fois, ce qui compte ici, c'est d'abord l'anticipation. Si tu n'anticipes pas cette action, tu ne mettras jamais ce but. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, il laisse l'avantage. Aïe, la passe est manquée. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer et de continuer. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Ballon dangereux en profondeur. Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu essayer de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe, en suffisamment en tout cas pour pouvoir cadrer. C'est confirmé, le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace et la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse. Verraillou, le bloc progresse bien dans le camp adverse. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça me paraît juste comme décision. Et voilà un ballon qui est intercepté. Et ballon récupéré sur cette action. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Et bien joué, il efface son vis-à-vis.
Et la frappe part bien. Ou la parade. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. La bonne présence au duel. Le ballon change de camp. Thomas Partey vers Ayou. La passe vers Souleymana. La bonne percée, il faut aller provoquer. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Si on s'arrête quelques instants sur sa prestation en attaque, c'est vraiment impressionnant. Et oui, toutes ces prises de balles, il dompte le ballon. Et il ajoute un peu de miel pour l'adoucir. Et il le transforme en un but délicieux. C'est de la haute gastronomie footballistique. Et c'est parti dans ce match. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Perte de balle très dangereuse, attention. Le tir. Le poteau s'interpose sur cette tentative. La balle sort et cette action s'arrête à 10 cm du bonheur. Ouais, sans faute, c'est bien joué, Djikou. Oh, la bonne parade. Voilà un corner qui a réveillé tout le monde. Le public sent qu'un exploit est peut-être possible. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. C'est bien parti pour ce corner. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Et voilà une bonne récupération là. Le ballon progresse bien sur cette offensive. La frappe est un peu trop enlevée et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix à une telle distance. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Oui, bonne récupération du ballon. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Souleymana qui reçoit ce ballon. Bien joué, la défense s'impose, mais attention, c'est pas terminé.
Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Nous sommes installés dans le camp adverse, peut-être une bonne occasion à venir. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Un bon contre à jouer peut-être. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Ah, ce ballon est récupéré. Ah oui, là ils font bien tourner le ballon. Oh, la frappe! Et ça va droit sur le gardien. Bonne intervention. Oui, sans commettre de faute. Djikou. La possession change de côté. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. Et voilà, c'est un changement donc. Attention, ça peut payer là-dessus. Bonne intervention du gardien. Allez, bien frappé ce corner. Et le ballon vient se loger dans les gants du gardien. Le bon mouvement. Et oui, il est venu prêter main forte, ça paye, ballon récupéré. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Aucun problème pour se saisir du ballon. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah, il a faute, l'arbitre intervient et attention parce que le coup franc est bien placé. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ah, le coup franc finit dans le mur. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Non, ça file vers le gardien, le ballon est mal donné. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ah, la bonne frappe! Ah, elle est contrée cette frappe! Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Ouais, une bonne charge. Kamaldine sous les manas. La passe vers sous les manas.
un tir bossé et qui est finalement complètement raté. C'était bien la peine de s'appliquer, de placer son corps correctement. Le ballon passe loin du but. Et c'est intercepté, ça. Voilà, c'est confirmé par le quatrième arbitre. Nous jouerons 3 minutes supplémentaires au minimum. Ah, la conclusion peut-être sur ce ballon. Grimana. Et voilà, la note qui s'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à plus 3. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne. Le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Un bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Attention, très bonne occasion. À côté, la frappe. Et c'est là-dessus donc que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Une mauvaise opération, surtout à gauche. Oui, on a senti une grosse différence d'intensité émotionnelle. C'est plus qu'une défaite, c'est une désillusion.